Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 15 mai 2020, 8h32, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez besoin d'être en forme parce que ce qui nous attend dans les années à venir, ça va être vraiment de taille herculéenne. Donc, vous avez besoin de vous être musclé pendant le confinement. Ceci étant dit, merci à ceux qui m'ont envoyé ce lien sur la momie extraterrestre d'Atacama dont j'ai déjà parlé. Et qui nous vient de National Geographic et qui prétend qu'on a finalement élucidé le mystère. On ne l'a pas élucidé. Il ne sera jamais vraiment élucidé. Et c'est comme ça dans toutes les questions concernant les civilisations anciennes. Oui ou non, l'existence de civilisations extraterrestres plus avancées. Il n'y a rien qui est confirmé, il n'y a rien qui est démenti, il n'y a rien qui est prouvé. C'est un sujet qui est encore ouvert, même si on prétend naturellement. Il y a des camps extrémistes qui prétendent que oui, absolument, mais c'est toujours des suppositions, comme le camp qui prétend que non, 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 ça n'existe pas. C'est aussi des suppositions. Il n'y a rien qui est prouvé à 100%. Il n'y a aucune vérité qui est existentielle à 100%, donc, ou qui existe à 100%. Mais on peut utiliser notre jugement pour se placer entre les deux et continuer les recherches et avoir nos convictions personnelles. Moi, mes convictions personnelles, je pense que vous les connaissez. Il y a eu une interférence extraterrestre, même dans l'apparition de l'être humain. Et la science tend de plus en plus à prouver cela avec la fusion de deux chromosomes il y a 200 000 ans, qui n'aurait pas été faite de façon naturelle, mais de façon artificielle. Quand on regarde les découvertes archéologiques, pendant longtemps, on nous a dit « Ah, la civilisation, ça a commencé il y a 4000 ans, 5000 ans. » Là, on est rendu à beaucoup plus loin que ça. On est rendu au moins à 12 000 ans avec Göbekli Tepe, en Turquie. Des structures, des monolithes impossibles à concevoir avec les connaissances qu'on avait dans ce temps-là. Puis on peut remonter à beaucoup plus loin que ça, juste le Sphinx. Au niveau géologique, on a été capable de dater le Sphinx à beaucoup plus que 3000 ans ou 3500 ans. On remonte à au moins encore là 15 000 ans parce que l'érosion de sa base n'a pas été faite par le vent, mais par l'eau. Et pour avoir un niveau d'eau aussi élevé, pour avoir une érosion sur la base du Sphinx, pardon, il faut remonter à au moins 15 000 ans pour voir cette région-là avec assez d'eau à un niveau d'eau assez élevée pour retrouver une érosion sur la base du Sphinx. Donc, les livres d'histoire qu'on a en ce moment, faut les prendre vraiment qu'un grain de sel parce que ça a été écrit avec une idée derrière, puis avec des connaissances qui étaient limitées, avec de l'instrumentation qui était limitée. Puis ça serait temps vraiment de remettre ça à jour, mais on ne semble pas intéressé à remettre ça à jour pour toutes sortes de questions. Non, ceci étant dit, je voulais juste vous placer la table avant qu'on aille lire cette histoire-là, qu'il faut prendre avec un grain de sel aussi, de National Geographic. Hein? Le mystère de la momie extraterrestre d'Atacama élucidé par une analyse d'ADN. Les chercheurs espèrent que cette nouvelle découverte permettra de clore. Voyez-vous, on veut clore le débat. C'est ça, dans le fond, le but d'un article comme celui-là, puis de pseudo-conclusions de recherche, de pseudo-rechercheurs ou chercheurs qui avaient déjà une idée derrière la tête quand ils ont commencé cette recherche-là, c'était de clore le débat. Comprenez-vous? Donc, de clore le débat sur les origines d'Ata, un nouveau-né naturellement momifié, mis au jour dans le désert chilien. On peut voir ici la fameuse momie de 15 cm trouvée dans le désert d'Atacama au Chili. Ata ne fait que 15 cm de haut et présente une tête conique et des os exceptionnellement durs pour sa taille. On peut voir ici la taille, là, c'est vraiment... Wow! D'aucuns ont prétendu qu'il s'agissait là d'un extraterrestre, mais une nouvelle étude publiée hier dans la revue Genome Research réfute non seulement la théorie extraterrestre, mais donne des éléments d'explication sur le processus de momification. Tout ça, c'est des théories, hein? Ata n'est pas plus grande qu'un fœtus humain, mais ses os sont à peu près aussi mûrs que ceux d'un enfant de 6 ans. Ça, c'est des faits, là. On ne peut pas les inventer, puis même ceux qui sont là pour essayer de vous
clore le débat, ben, ils sont obligés de reconnaître ça aussi. Le débat a commencé à animer la communauté scientifique en 2003, lorsque les restes naturellement momifiés d'Atta ont été mis à jour. Près d'une ville fantôme du désert d'Atacama au Chili, un homme d'affaires espagnol, Ramón Navia Osorio, a acheté cette momie et en 2012 a autorisé un médecin du nom de Stephen Greer, hein, que tout le monde connaît, ici on en a parlé, à l'étudier par le moyen de rayons X et via la tomodensitométrie pour analyser son squelette. Greer est le fondateur de Disclosure Project, qui cherche à divulguer la vérité sur les ovnis, l'intelligence extraterrestre et les systèmes d'énergie et de propulsion avancés selon son site web. Atta n'est pas plus grand qu'un fœtus humain, mais un radiologue qui a analysé les images estime que les os d'Atta étaient à peu près aussi mûrs que ceux d'un enfant de 6 ans. À l'époque, Greer a également fourni des échantillons de la moelle osseuse d'Atta à l'immunologiste Gary Nolan de l'Université Stanford de Palo Alto, en Californie. L'équipe de Nolan a séquencé l'ADN d'Atta et a conclu que son matériel génétique était bien celui d'un être humain. Mais il ne pouvait pas expliquer comment une si petite personne pouvait présenter des caractéristiques physiques si inhabituelles. Une fois que nous avons compris qu'il s'agissait d'un être humain, l'étape suivante consistait à comprendre comment un humain pouvait prendre cette forme, explique Nolan. Nolan a travaillé avec des chercheurs en génétique de Stanford et avec l'équipe du biologiste computationnel Atul Bhutte de l'Université de Californie à San Francisco pour analyser le génome d'Atta. Selon les résultats de leur recherche, des mutations sont présentes dans 7 des gènes d'Atta, tous relatifs à la croissance humaine. Nolan pense maintenant que cette combinaison de mutations a causé des anomalies squelettiques graves chez Atta, ce qui expliquerait cette croissance osseuse inhabituelle précoce. Selon l'étude Atta, probablement un fœtus mort-né ou mort peu après la naissance. Mais ceux persuadés qu'Atta est un extraterrestre n'en démordent pas. Quelles que soient les nouvelles révélations scientifiques, nous ne savons pas ce que c'est, mais ce n'est certainement pas un être humain, dit Greer, qui a été mis au courant de ces nouvelles recherches. Pour la majorité des scientifiques, en revanche, il est temps d'enterrer la controverse sur Atta à la lumière des nouvelles analyses. La thèse du pseudo-extraterrestre était faite d'arguments pseudo-scientifiques pour attirer l'attention des médias, estime le paléontologue ou le paléanthropologue et anatomiste William Jungers, professeur émérite au Stony Brook University Medical Center. Cet article relaie ces hypothèses au rang des absurdités. Les médecins qui traitent des enfants atteints de maladies osseuses génétiques rares pensent également que les archéologues et d'autres scientifiques peuvent être induits en erreur par des troubles génétiques qui causent des caractéristiques physiques inhabituelles. Par exemple, le généticien Fawzan Al-Khouria rappelle la controverse entourant les hobbits, de petites créatures découvertes il y a 15 ans en Indonésie. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la question de savoir si ces êtres minuscules sont les cousins de l'homme moderne ou s'ils sont simplement des êtres humains de taille inhabituellement petite. Vous vous rappelez que j'ai parlé aussi du fait que probablement la Terre, c'est un laboratoire pour ces civilisations-là et qu'il y a eu plein d'expérimentations et que toutes les races et que l'évolution de l'homme, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans les livres, et que toutes les autres races sont probablement des expérimentations qui ont été abandonnés. Et pourquoi nous autres, on est les seuls à avoir prospéré et à avoir passé à travers tout ça, comprenez-vous? Parce que t'as beau dire que Atta, c'est la controverse est fermée et que c'est explicable par différents problèmes génétiques, comment ça se fait qu'il n'y en a pas d'autres cas comme ceux-là? Ça serait le seul cas de toute l'histoire de l'humanité? C'est un petit peu grossier quand même. Tous les humains, y compris Atta, peuvent présenter de nombreuses mutations génétiques, mais habituellement, une seule de ces mutations est facteur de maladie chez un enfant. Le cas de cette mutation génétique est quasiment inconnu, dit Al-Khouria, pour qui un ou une ou deux des mutations ont probablement causé des problèmes de croissance d'Atta. Nolan n'est pas d'accord. Ce pauvre enfant a malheureusement lancé 7 fois les dés. Mais il serait difficile, sinon impossible de décider quelles composantes génétiques d'Atta ont provoqué ces symptômes, tout simplement parce que les scientifiques n'ont aucune information sur les proches d'Atta. S'ils avaient dans leur possession l'ADN des parents d'Atta, par exemple, ils pourraient vérifier quelles étaient les mutations d'Atta présentes chez sa mère, blablabla. Donc, beaucoup de blabla pour arriver à une conclusion qui est vraiment pas convaincante. Et c'est toujours comme ça, mais le mystère demeure. Et je vous conseille de rester toujours aux aguets et éveillés, parce qu'il y a beaucoup de choses
qui vont venir s'ajouter hein, dans un avenir assez proche. Peut-être qu'on arrivera à comprendre exactement d'où on vient, ou peut-être jamais, mais peut-être que oui, parce que de plus en plus, on commence à comprendre ce qui s'est passé vraiment. Donc, je vous reviens, restez là, j'ai plein d'autres choses aujourd'hui pour vous.